Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment disposer un courrier en respectant les règles de la disposition bloc à la date. Alors, c'est très simple, je vais partir en fait de ma lettre qui est disposée en respectant le style bloc à la marge. Donc, à la marge, c'est en fait toutes les mentions de la lettre qui sont alignées contre la marge de gauche. Donc, je la dispose tout simplement comme ceci et ensuite je vais faire ma modification. Donc on imagine que vous ayez donc des enveloppes à fenêtre à droite et pour ce faire vous devez évidemment faire en sorte donc que les coordonnées de votre destinataire soient visibles dans cette zone d'enveloppe. Sinon le facteur voilà, ne pourra pas distribuer votre courrier. Alors comment disposer en respectant le style bloc à la date? C'est très simple. En fait on va aligner trois éléments. D'abord on va sélectionner la date. Ensuite, je vous ai parlé de trois éléments, donc ici je vais m'attaquer au deuxième. Pour sélectionner le deuxième, je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier, la touche donc CTRL, et je vais la maintenir enfoncée de sorte à pouvoir sélectionner mon deuxième élément. Et je vous ai parlé d'un troisième élément qu'on va aller sélectionner. Il s'agit en fait de la souscription, donc le nom et le nom de famille de la personne qui va signer, plus sa qualité si vous la connaissez. Je peux enlever mon doigt donc de la touche contrôle et là je vais aller dans l'onglet mise en page et dans mise en page je vais appliquer un retrait. Donc ici vous avez retrait et vous allez appliquer un retrait à gauche et vous allez effacer le 0, vous allez mettre 8 cm. Je valide et ce qui se passe en fait c'est que les trois éléments que j'avais sélectionnés au préalable eh bien sont alignés à 8 cm. Donc si je place un petit taquet, vous voyez donc j'ai ma l'espèce de règle qui indique que mes voilà donc si je place mon pointeur de souris à 8 cm au niveau donc de ma règle horizontale, j'ai en fait un trait qui s'affiche et qui vous montre en fait que les trois éléments sont alignés. Ensuite, il me restera à déplacer la signature. Si vous avez une signature électronique, voilà officielle, vous n'avez plus qu'à la déplacer. Donc voilà à quoi ressemble la disposition bloc à la date. Donc vous avez trois éléments qui sont alignés. Vous avez la date, les coordonnées du destinataire et les coordonnées de la souscription, donc la personne qui va signer le document. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous ne savez pas comment disposer la lettre bloc à la marge, il suffit d'aller retrouver la vidéo qui se retrouve sur ma chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.